Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'apprécie énormément, Last Hero Inuyashiki. Donc, c'est en cours de parution. Je dois avoir. J'ai les 6 premiers tomes pour l'instant. Je pense qu'il y en a 7 qui sont sortis. Je suis pas sûr. Donc, c'est le mangaka Hiroya Oku, que j'adore personnellement, qui a fait Hen juste avant, H-E-N, il y a longtemps. Et surtout, qui a fait Gantz, un manga qui est culte pour moi, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Ils ont fait un OAV et qui est pas trop mal, ma foi. L'animation est bonne, ça respecte la trame principale. Donc, pour ceux qui connaissent pas et qui veulent découvrir l'univers de Gantz sur Netflix, vous pouvez y aller. Et pour ceux qui connaissent, allez-y aussi, hein, c'est que du bonus. Donc, Last Hero Inuyashiki. Donc on va suivre Ichiro Inuyashiki, 58 ans, que voilà, qui en paraît 80 voire plus. Donc qui va être un peu, qui est pas du tout, qui est loin d'être un modèle pour ses enfants. Qui, parce que vous voyez, il ressemble à un grand-père. Du coup, ses enfants ont le seum, ils veulent pas s'afficher à côté de lui dans la rue ou à l'école ou voilà. Donc il fait tout pour sa famille, mais là sa famille ne le respecte pas. Donc vous voyez, les premières pages sont en couleur. Bien apprécier son style. Vous remarquez que les bâtiments sont extrêmement bien faits. Faut savoir qu'ils ont un procédé qui a été utilisé dans Gantz pour la première fois. C'était le premier manga à faire ça, c'est-à-dire que tous les décors sont des décors réalisés en 3D ou tirés, donc tirés de photos, et via un logiciel, il est recréé sur ordinateur. Ils peuvent ajouter ensuite leur dessin à la main, donc ce qui mélange un univers vraiment très réaliste. On a vraiment l'impression d'être à Tokyo ou à Kyoto ou à Osaka, parce qu'il nous fait voyager un petit peu au cœur du Japon. Donc voilà, un manga de SF contemporaine. Donc qui va mélanger, qui ça entremêle super-héros, science-fiction et critique sociale du Japon contemporain. Moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'est édité chez Kiyun. Donc là je vais vous parler un petit peu du premier tome. Savoir que l'histoire commence quand même assez vite avec Hiroya Oku, généralement c'est assez direct, hein. Dans Gantz, dès les premières pages, on fait waouh, on est où là? Ça, voilà. Il n'y passe pas par quatre chemins, il est assez direct. Donc là, on va suivre, comme je vous ai dit, Ichiro, Ichiro Inuyashiki, qui va se retrouver avec un autre, qui va se retrouver un soir à promener sa chienne Anako, et il va se retrouver à côté d'un jeune étudiant dans un parc, et là, une espèce de météorite va tomber, et tous les deux vont avoir l'impression de mourir d'un crash de météorite, et en fait ils vont se réveiller tous les deux avec des super pouvoirs. Ils vont pouvoir se transformer un peu comme Astro Boy en robot super puissant. Donc voilà, et ce petit grand-père très sympathique qu'on va suivre va se retrouver avec une nouvelle responsabilité, celle d'un corps, excuse-moi Zod, celle d'un corps mécanique et destructeur, quoi. C'est-à-dire qu'il peut, il peut détruire n'importe quelle forme de vie en claquant des doigts. Et son choix va se faire du côté du bien. Il va sauver une personne qui va se faire attaquer. Il va sauver un clochard, il va aider un clochard qui va se faire attaquer par un gang de jeunes. Et du coup, à partir de là, il va décider de faire le bien via son nouveau corps. Donc voilà, le premier tome, on suit surtout le grand-père, et à la fin, on commence à apercevoir le deuxième personnage principal de cette histoire. Je vais vous le retrouver, il est à la fin. Donc Hiro. Et Hiro, c'est marrant parce que quand on arrive dans sa chambre, hop, c'est un ado, et c'est un fan de manga, et c'est un fan de Gantz. Donc dans cet univers, Gantz est un manga. Donc dans cet univers, Gantz existe et bien là. Donc c'est assez marrant. Voilà, il y a un petit clin d'œil que j'ai vraiment apprécié. Donc, je vais vous montrer quelques dessins parce qu'au niveau action, voilà, on va voir le corps du papy. Il est très très fort au niveau scène d'action, hein. Je veux dire, dans Gantz, ça découpe, ça défouraille, il y en a partout.
Voilà, là on le voit juste essayer de s'entraîner avec son nouveau corps, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Oui, les dessins sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour ce premier tome, donc une série choc. Comment va-t-il utiliser ses pouvoirs? Moi, je vous ai dit, le grand-père, là, on sent que dans le premier tome, il prend une bonne direction, donc tant mieux, et ça se finit où on va subir au le deuxième protagoniste qui se retrouve avec des pouvoirs. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour le tome 2. Je vous détaillerai ça sans trop spoiler non plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous êtes de plus en plus nombreux, pardon, à regarder ces vidéos. Ça me fait plaisir, franchement. Donc voilà, mettez des pouces, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo.